Amis d'Haïti et de l'étranger, bonjour et peut-être bonsoir. Politiquement, socialement et culturellement, bienvenue à notre émission de prédilection Carte Rouge, largement suivie en Haïti et à l'étranger. À cet espace, aujourd'hui, on va parler de la sortie officielle du deuxième tome de l'ouvrage de l'ex-commandant-chef du Bureau de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants BLTS, Evans Briand, l'auteur du dit ouvrage. Notre invité aujourd'hui à notre grand forum social, politique, économique, juridique, civique, scientifique et culturel. Bonsoir, monsieur l'écrivain gestionnaire, et bienvenue à Carte Rouge. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit à quoi écouter nous. Bonsoir notamment à vous-même et Guillaume, et bonsoir aussi et à tous les auditeurs. Eh bien, sans plus tarder, Evans Briand a rentré et d'emblée dans le débat. Et au capable, ouais, bon, relation entre premier ouvrage en, et puis avec deuxième tome, non, de toute façon, là, il faut ne pas à pied joint se sortir dans le deuxième tome, non. Justement. Dans votre premier ouvrage, rappelons-le, vous avez écrit, je cite, à considérer les rapports de certains scientifiques, Haïti serait une chaotique entité étatique ingouvernable, c'est sorti écrit, et elle aurait vraiment été, selon vous, à ce titre, une menace pour l'Amérique, si l'on avait aussi pris en compte cela sans considération ni appréciation de sa téméraire histoire salvatrice, les sophismes de la fille vierge de Babylone, à savoir les États-Unis d'Amérique. Mais fort heureusement, cette erronée vision satanique ne pouvait nullement désaxer la roue du récit prophétique. Fin de citation. Alors, et dans le livre, bien entendu, deuxième ouvrage, Mapando et Evans Briand, qui relation qui gagnait entre le deuxième ouvrage qui sorti dans le deuxième tome avec le premier tome, bien entendu, pour rentrer d'emblée dans le débat. Justement, et premier tome, c'était mission, c'était révéler Haïti à l'humanité. Ouvrage là, son ouvrage qui est titré Haïti, lumière des nations, mais à chaque tome, il y a un sous-titre. Sous-titre en premier tome, là, c'était Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Sous-titre en deuxième tome, là, c'est Evans Briand, qui est-il? Maintenant, quelle relation gagne? Pas oublier, et Haïti, c'est lumière des nations. C'est-à-dire, chaque ouvrage a lancé une dynamique pour éclairer l'humanité, notamment les Haïtiens. Et premier ouvrage, là, dans le troisième chapitre, il était dit Haïti, tu prends Haïti et Israël comme les deux oliviers. Maintenant, le deuxième tome a pour mission de révéler une branche de cet olivier. Ouais, donc, c'est une relation qui gagne entre eux. Ah ben, on regarde pour le deuxième tome, là, Haïti, lumière des nations. Et ce titre, deuxième tome, ouvrage joint, est-ce que c'est le fruit d'une révélation? Est-ce que son livre spirituel, philosophique, ou bien qu'a préconisé, hein, et tu es capable de dire, la fin du mal? Ou elle a plusieurs facettes, question. Bon, et on dit que son livre qui lançait la dynamique de spiritualité, mais, et fendamé de spiritualité, comme dit en parenthèse, premièrement, c'est parce que en spiritualité, c'est en fonction spirituelle de l'âme. Donc, il y a des gens qui ont tendance à dégager spiritualité de matérialité au monde. Donc, et pourtant, chaque être humain a exercé, ça nous relie des fonctions spirituelles de l'âme. Donc, la parole est une fonction spirituelle de l'âme. Tout ce que tu fais et qui est imperceptible est une fonction spirituelle de l'âme. Donc, le corps possède vraiment le mécanisme du langage, les lieux de résonance, mais la parole en tant que telle est une fonction spirituelle de l'âme. Je dis livre, ça a lancé une dynamique spirituelle, c'est parce que son livre qui adressait à l'essence, à la substance de l'homme. Qui est l'homme? L'homme, c'est en dimension, on a dit, superficielle, décorative de l'homme. N'oublie pas que où tu existais d'abord à l'état esprit. Maintenant, esprit, ça, il est venu sur la terre pour matérialiser rébellion ou soumission. Okay? Maintenant, il habitait encore, il vient tourner en homme et il a retourné son forme esprit. Ouais? Donc, les fonctions spirituelles qu'on exerçait en tant qu'être humain, donc c'est l'homme qui exerçait. Haïti, lumière des nations, et moi, au parler. Alors, il y a plusieurs chapitres, et certainement dans le livre ça. Présentez quelques-uns dans le chapitre ça rapidement.
Le thème que vous abordez. Dans le premier chapitre, là, je dis c'est de la naissance à mon entrée dans l'institution policière. Dans le deuxième chapitre, là, moi, de l'institution policière à ma renaissance spirituelle. Dans le troisième chapitre, là, je traite, disons, troisième chapitre, là, moi, du 20 janvier à aujourd'hui. Et c'est le mois. Donc, et quatrième chapitre, là, moi, mes responsabilités. En tant qu'une branche, en tant que la branche principale de l'Olivier qu'est Haïti, dans le troisième chapitre là, le fait que mes responsabilités sont aussi la responsabilité d'Haïti, donc je vois aussi les responsabilités d'Haïti. Et disons, sixième chapitre là, moi, les élus contre les non-élus. Donc, je m'établis différence entre eux, mais après ça, je définis ce qu'est la lumière. On va le passer au peigne fin, ensemble du chapitre ça, on va le passer au crible. Pour me dire, nous allons décortiquer pour le public qui connaît bien entendu qui ça, qui est dans le deuxième tome ouvrage ex-commandant BLTS, Evans Bouillon, qui avait là aujourd'hui, qui titre Haïti, Lumière et des Nations. Evans Bouillon, qui est-il? D'accord, Evans Bouillon, qui est-il? Moi, je mettais en pile l'accent sur la justice salvatrice dans l'USA. Ça fait. Ou mettez accent, ou mettez en exergue comme ça et thème ça. Eh bien, la justice salvatrice, ça lié exactement. Pour qu'ils soient, okay. Ou mettez accent sur le sujet du droit. Il y a deux plans, qui c'est deux cribes sur la terre que bon Dieu a pu répéter. Il y a la salvation, que vous traduit dans la Bible française par le salut. Il y a la justice salvatrice qui est destinée à épurer les rois et les prêtres. Mais Mounzaïo, justice salvatrice, c'est ça fait, c'est toujours la salvation. Okay. Mais le fait que les bergers de l'ordre divin des choses, donc il a passé dans la prison aux États-Unis, donc il y a plein ça, justice salvatrice. Mais tout le monde, peu importe niveau scientifique, peu importe niveau de connaissance, qui n'a aucun rapport, ou pas le roi est prêt dans le cadre, règne divin, règne humain des choses là, donc ou passer dans le plan que les salvations, peu importe connaissance scientifique ou ta gagne. Maintenant, tout le monde qui voit le roi est prêt, avant de nous accéder à la responsabilité, non, royaume n'a pas l'établi dans millénaire, dont Haïti est la capitale politique et spirituelle. Donc, nous avons passé dans la prison aux États-Unis pour épurer. Donc, livre là, différentes phases, par exemple, de ma naissance à ma renaissance, je dis différents chapitres que je traite dans le roi. C'est parce que nous vivons en chaque monde sur la terre sont anges. Qu'aux pauvres, qu'aux riches, qu'aux gens, n'imprimés, peu importe janvier, n'épaté. Et ou blanc, peu importe mon nom, son ange qui est incarné pour venir matérialiser soit sa soumission céleste primitive, soit sa révolte en céleste en primitive. Donc, dans vie ange, il y a différentes phases. Il y a une phase de rébellion, qui doit vivre tant que tout le monde ou pas qu'on qui est souillé. Il y a une phase de consécration à la vérité, qui fait dans la prison aux États-Unis pour le monde qui est géo. Et il y a une phase qui est dans le livre-là de soumission illuminée. Autrement dit, face ça, le monde pas comprend ni, il y a très tôt tant qu'on lâche, il y a deux on lâche, parce que tout ça au fond, on connaît, pas ou pas rendu personnel, ou regarder tout le monde, il y a mal, ou pas disant, tout ça au fond, maintenant qu'à bon point, là, j'ai gardé pour voir encore qu'il faut agir comme ça. Et pourtant, c'est parce que, non, nous atteignons une dimension qui est tellement élevée, on rend compte que richesse matérielle, au moment de l'épreuve, ne va te servir à rien. D'où, tout ce monde fait qui a un rapport à l'argent, on pense qu'il faut activer pour faire mal. Donc, en conséquence, pour vivre les commandements, mon Dieu, il y a un monde qui est neutralisé par rapport à l'agence. C'est un bagage qui a une importance pour lui. Donc, ça veut dire l'inclination au mal, justice salvatrice là, retirée. C'est-à-dire que le monde a un droit au péché encore. Eh bien, il y a des débats fait là, certainement, on a parlé cerner sous deux dimensions. Une dimension est, on est capable de dire, physique, ou bien humaine, ou une dimension spirituelle. Maintenant, pour qui ça nous fait ça, c'est une façon pour nous capables de poser une question. Et où dit, non, on part dans le livre là, et rétablissement de la monarchie divine sur la terre là, peut-être c'est sous peu, il pourra le faire. Mais à cette approche, est-ce que toutes conditions, je dis, en réunion pour que le rétablissement de la monarchie divine en fait, est-ce que ou une projection faite, qui élément, qui indicateur qui est capable de faire comprendre que nous à l'approche ou bien à la veille de ce processus. Premier, ça pour comprendre, faut comprendre que établissement monarchie divine. Établissement ou rétablissement? Non, établissement. Disons, okay. on dit rétablissement, parce que nous avons une vraie théocratie qui était établie en Israël. D'accord, on dit rétablissement plutôt. Et nous avons plusieurs signes qui ont montré nous ça. D'ailleurs, la fête l'a rétabli contre une race, c'est la race blanche. Dans le cadre règne luciférien des choses là, c'est la race blanche qui a mené.
Maintenant, dans le cadre divin des choses là, c'est la race noire. Maintenant, qui signe? Haïti, c'est la première nation noire libre. Haïti est choisi comme la capitale politique et spirituelle du monde. C'est ça fait premier tome dans tes titres comme ça. Non seulement titre comme ça, mais décrypter Haïti dans la Bible. C'est moi qui m'a dit parce que je me senti, son bail qui écrit dans la Bible. Haïti écrit dans la Bible. Haïti, c'est le premier pays côté le feu punitif et salvateur de l'humanité est allumé. Le 12 janvier. C'est le feu punitif et salvateur de l'humanité. 12 janvier, pardon. 12 janvier, oui, c'est la première frappe qui prend. Et c'est ça qu'on va voir après Haïti, qu'on paquet de pays qui pourra le frapper. Et... Mais peut-être qu'il y a un monde qui a dit, de l'autre côté, qu'il y a un séisme, qui a frappé tout. Non. Non, alors on a fait débat. Non, on clair sur ça. Nous, non millénaires, soit regarder les signaux, tant qu'on te pose une question, ou après, race noire montée. Actuellement, on est en phase d'une transmission de la connaissance scientifique à la race noire. C'est ça qu'il faut pas voir Afrique a bougé. On va voir dans millénaire ça, et première coupe du monde faite en Afrique. On va voir dans millénaire ça, où on premier président noir américain. On va voir dans millénaire ça, au Canada qui est un pays majorité blanche, on va voir où on femme noire qui a dirigé Canada. On va voir un paquet de bail qui a passé, on va voir en Haïti comme l'ordre est donné aux richesses aux richesses souterraines. Et maritime de rayonner le sillon de Yoshua en Haïti, il y a un paquet de découvertes richesses, parce que l'ordre est donné. Maintenant, millénaire, ça, son millénaire critique, c'est le jour de Yahvé pour humilier les hautains dans le règne luciférien des choses. Et comme Haïti, c'est le symbole de la cruauté de la race blanche, d'accord, Haïti. Haïti. Donc, Haïti est choisi comme la capitale politique et spirituelle de ce règne divin humain des choses. D'accord. Evans Brian, et pendant l'établissement, et on est capable de dire, de la monarchie divine sur la terre, ce sera aussi l'occasion pour que force divine, on est capable de dire, arriver à rabaisser ou bien humilier les hautains, des hautains ou des arrogants, soit les hautains. Soit les arrogants, on va prendre des réponses pour nous-mêmes. C'est pour vous présenter tout dans le même cadre de rabaissement ou bien l'humiliation des hautains ou des arrogants, ou présenter, formule ça par 600 pires, soit les 600 pires lucifériens, ou bien Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Mais on parle tout des 10 grandes nations européennes, Allemagne, et Belgique, Espagne, et France, Portugal, l'Angleterre, mais moi je ne vais pas parler des États-Unis. Non, parce que États-Unis, c'est son pays qui est crypté dans la Bible et cette connaissance fait défaut à la sagesse théologique contemporaine. Maintenant, première question que vous avez posée, c'était, vous avez dit, j'ai répondu pour vous, c'était rabaissement. Les hautains, humiliation. Les hautains, c'est les grandes nations qui se disent être suffisantes, qui se disent suffisants, maintenant qui, dans leur arrogance, à militer puis vous prouver que bon Dieu pas existé. Donc c'est arrogance, ouais, c'est arrogance ça bon Dieu pral détruire. Pourtant leur réalité économique, politique sont expression vérité cachée. C'est la Bible qui dit la France tape comme ça, c'est la Bible qui dit en Angleterre tape comme ça, c'est la Bible qui dit Portugal tape comme ça. Donc pour me tourner dans la question 600 pieds en balle pour payer ça ou encore. Et 600 pieds on va faire discussion sur eux, il écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? On prend Rome. Les Rome éclatés, Rome a naissance aux 10 grands pays européens. Donc 4 sont responsables pour disperser les 12 tribus d'Israël. 4 ça aussi la France, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal. Maintenant, dans la tête bête là, il y a 7 têtes, 10 cônes. 7 têtes, c'est 7 empires. Vous êtes d'accord avec moi? 10 cônes, c'est 10 royaumes. Ça veut dire 10 pays. Qui parle d'un royauté concomitant. Ça veut dire en même temps. Un royauté concomitant. Ça veut dire que l'Angleterre, l'Espagne, la France, un royauté concomitant. Ça veut dire que nous tous avons le pouvoir en même temps. Voilà. Maintenant, mais dans le discours, il y a trois qui déracinent pour laisser place à un petit cône qui a deux yeux humains. Trois pays qui déracinent pour permettre la montée des États-Unis, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne. Déraciner veut dire États-Unis prend terre, puis ils grandit pour établir puissance. Li. Mais qui ça les dit des yeux humains? Ça veut dire son puissance, malgré que son cœur satanique, pas bien, il sortit dans la tête, on bête, mais Dieu nous trouve que c'est humain lié. Ça veut dire,
Ouais, donc les moutons, pendant la travail pour le diviso en bas, et puis la body good publiquement. Donc sa montée est médiatique. Parce que la vraie bonté est inconsciente. La vraie bonté est inconsciente. Toute bonté médiatique est fausse. Voilà. Donc la bonté des États-Unis, donc qui montre que l'a donné là-bas des peuples et des dons, et bien en bas la divise pour voir en bas pour toujours et en bas. Donc ça c'est de l'hypocrisie et cette hypocrisie c'est une réalité, la réalité d'une vérité biblique. Eh bien, et nous parlons chapitre 1er dans le livre 1, on parlait de naissance, qui est-ce qui Evans Bouillant, personnalité ça, qu'en face moi là, tout parcours dans l'institution policière, là, qui comment a traité chapitre ça? Bon, chapitre ça, c'est explication de vie de façon rationnelle. Ça veut dire, c'est dans le moment que je ne sais pas qui est SNT, je décris vie de façon rationnelle. Passage dans la police, là, ou même de façon rationnelle. Passage de 9 ans dans la police, là, je décris de façon rationnelle. Je ne vais pas traiter d'ailleurs, je vais quitter la question de la police là, pour me traiter dans la mémoire sortie, dans la science administrative, que je finis, je suis gestionnaire. Je vais traiter, je vais rembourser. Donc, chapitre là, je vais traiter de façon rationnelle. Rationnelle. Ça veut dire, ça qui est passé, qui bon fait, qui bon mieux, je suis un excellent Raphaël, maman, je suis ton machin qui caille, donc qui goûte, je vais à l'école, je vais étudier, je vais rentrer. Donc, c'est de façon rationnelle. Je vais m'expliquer dans le chapitre ça. Oui, mais comme on dit, qui retient attention, on dit la tragédie d'un homme, en question posée, est-ce qu'il est capable d'influencer ou dévier? La trajectoire d'un homme est déviée ou même? Non. Pardon, justement, j'ai posé cette question pour répondre plus loin dans le livre là. Et on a dit, est-ce que la trajectoire d'un homme est déviée par le progrès scientifique? Donc, je réalise que la trajectoire du monde n'est pas déviée par le progrès scientifique. Donc, moi-même, c'est la preuve de ce que j'avance. Well, donc, nous sommes qui étaient un super intelligent à l'école, même terrain, même mathématiques, et ça a conduit nous à étudier gestion. Je viens réorienter vers la gestion, et pourtant, gestion que m'utilise pas le mission pas aider dans accompli tâche moins demain qui vient pour arriver demain. Ouais, ça me résonne. Maintenant et différents phases qui dans vie sans moi même rendre compte de yo, moi rendre compte que malgré tout progrès scientifique qui gagne, il va affecter trajectoire que me t'ai passé, parce que la police c'est un passerelle prophétique qui conduit vers la compréhension de ma substance, de mon essence. Et nous sommes prophètes qui viennent accomplir une mission pour le pays d'Haïti. Donc, c'est un prophète qui a un rôle de commissaire du gouvernement dans le tribunal divin. Well, donc, je me rends compte que le progrès scientifique n'est pas qu'à dévier la trajectoire. On ange qui choisit. Progrès scientifique n'est pas qu'à faire ça. Dans la partie, je regarde déjà dans le livre L'amour, je mets l'accent sur l'origine familiale qui t'a daté de plus de 3 millénaires déjà. Ça, vous l'avez dit. Oui, justement, dans Tom 2A, nous avons fait la différence entre la tribu de Judas et la tribu de Joseph. Nous avons tendance à considérer Jésus comme petit Judas, tandis que Jésus démentit qu'il est petit Judas. Maintenant, le fils de Judas, okay, son monde bon Dieu, il est branche dans la Bible. Dans Zécharie 6, verset 12, il est branche. Il dit, voici un homme dont le nom est branche. Ou même quand vous regardez mon auditeur, c'est difficile pour elle dans la Bible française, je toujours dit ça. C'est parce que la Bible française, la France avait pour mission de corrompre la parole, tandis que les Américains avaient pour mission de la protéger contre l'Empire romain. D'où les rois et les prêtres seront livrés pour être tourmentés dans les cellules carcérales des États-Unis. C'est parce qu'il y a une mission pour ça. Well, donc, effectivement, je suis le fils de David. Mais fils David, ça a tellement de pouvoir qui confie à lui-même, tout le monde confond le monde à Jésus, parce que n'est-ce pas ton royaume dans le ciel. Tandis que Jésus, lui-même, t'es venu prêcher son royaume sur la terre. Est-ce d'accord avec moi? Donc, ce fils de David, que bon Dieu surnommé Moïse, et qui a une mission pour juger, en fait, pour présenter le dossier des 12 tribus par devant le Dieu, comme commissaire du gouvernement. Je suis ce fils. Donc, Haïti est un olivier. Dans le chapitre 4, là, on te dit tout. En fait, chapitre 3, on dit Haïti et Israël sont les deux oliviers. Lorsque dans Zacharie, ou dans Zacharie 4, je ne me rappelle exactement,
Au bal ouais, il y a 7 lampes, il y a 2 oliviers qui entourent. Mais chaque olivier ça a une branche qui a déversé l'huile dans 7 lampes yo, que je ferai les menorah. Donc chaque branche ça a son prophète qui vient pour vini. OK, pour accomplir mission. Yon devini, c'était Jean le Baptiste. T'es venu dire, moun sa ka vini derrière, c'est Jésus. Moi, je viens pour dire, effectivement, moun sa ka vini derrière, c'est Jésus. Donc, en troisième position là. Non, en deuxième position. Nous venons, attendez, c'est comprendre les hommes, pas comprendre ce qui a passé. Nous venons trois fois dans le monde là. Nous venons si nous venons sous même nom. Attendez bien. Première fois, il y a des gens qui pensent que Jésus vient sur la terre une seule fois, déjà, il vient deux fois déjà. Il vient une troisième fois encore. Première fois qu'il est devenu. OK. Pour me garder moi. Attendez. Pour moi, c'était au logement d'accord. Moïse vini. Josué vini. Josué pas oublié, monsieur Terry, nous avons changé le nom. Nous avons changé le nom en Josué, même sur les Yoshua. Yoshua. Moïse vini, Yoshua vini, Elijah vini, qui est Eli. Ou bien Eli, c'est moi, c'est Eli. Maintenant, Jean vini, Jésus vini, Moïse vini, qui c'est serviteur pour. Après ça, nous allons venir ensemble et nous allons assassiner nous tous deux. Deux prophètes autant de dans Apocalypse 11 là, qui pourra le faire, qui pourra le tuer, côté l'humanité, qui pourra le changer de cadeau, moi-même, c'est un homme. Donc c'est moi-même, disons, c'est non moins. C'est moi-même. Donc c'est non moins. C'est un okay. Autoproclamé tête ou bien selon. Non, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit, m'expliquer ça déjà dans tome 1. C'est la Bible qui dit. Je fais la différence entre la tribu de Judas et la tribu de Joseph. Parce que, bon, c'est qu'on va gagner. Bon, en fait, Andy avait dit dans la Bible que Ephraïm est son premier-né. Ça, ça avait dit. Ephraïm. Qui est Ephraïm? Ephraïm est le fils de Joseph. Donc, si Ephraïm est le premier-né de Dieu, donc Ephraïm, un fils d'Ephraïm, un petit-fils d'Ephraïm, c'est pour le premier petit Jésus fait sous la terre. En fait, bon Dieu fait sous la terre, d'où Jésus? C'est ça fait Jésus démenti qu'il va visiter Judas. Mais Satan, c'est mission, il dit Jésus toujours visite Judas. Le fils de Judas, c'est moi. Je viens dans la compréhension et bon Dieu décrypte dans la Bible branche. Eh bien, on a trois côtés triangle divin, ou mettez accent sur ça. Les trois côtés d'un triangle divin, on parle de naissance, appellation et trajectoire. Ban, plus précision sur toi. Bon, ça, son élan divin. Il y a plusieurs triangles. Il y a un triangle qui est équilatéral, il y a un triangle qui est isocèle. D'accord, même? Un triangle équilatéral, c'est Yahvé, Jésus, ouais, Yahvé, Yoshua, Esprit Saint. OK? C'est à faire Yodou, la triunité de Dieu. C'est trois mondes, son triangle équilatéral. Ça veut dire yo ego. Maintenant, triangle isocèle là, c'est Yahvé, d'accord? Yahvé, Yoshua et puis on ange. Qui ange lui, le bagage. Non, ange en cas c'est où? Il cas c'est moins. Pour qui ça l'isocèle, c'est parce que ou pas qu'à jouer Yahvé, ils ne sont pas passés par Yoshua. Donc Yoshua, c'est satellite qui orbitait. Vous avez dit? Yoshua, c'est satellite qui orbitait dans l'espace pour permettre les hommes de faire contact à bon Dieu. Donc, pas ce satellite, ça, c'est non Jésus, c'est Yoshua. Ça fait l'ordil, donc il permet de connecter. Mais l'ordil, vraiment, satellite l'a activé, mais sauf que il ne permet pas passage là, si il n'est pas épuré. Ordinateurs qui sont êtres humains qui demandent pour le passé. En gardant la Trinité, selon protestants bien fidèles catholiques, trilogie, papa, petit lac, l'Esprit Saint, est-ce que c'est l'œil? Oui, justement. Yahvé, Yoshua. Uh-huh. Parce que Yahvé, c'est la parole. La parole se fait chair. Donc la parole, donc Yoshua est Yahvé. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est les sept cieux de l'agneau. Donc, est-ce qu'on a détaché le monde de lui-même? Ouais, ça me donne. Donc, c'est ça fait au ego. Donc, triangle, c'est un triangle équilatéral. Okay. Ou dit, ça c'est Oudil, je suis non seulement une branche, ouais. Ou c'est tout la plus grande branche du second olivier? Oui, le second olivier, c'est Haïti. Moi, c'est la principale branche là, qui a une mission pour révéler Haïti à l'humanité. C'est ça fait mes conditions d'Haïti, lumière des nations et la capitale politique et spirituelle du monde. Expérience ça, et disons, décryptement des prophéties bibliques, ça m'a fait dans la prison aux États-Unis. Et c'est moi qui décrypte Haïti en la Bible. Dans le premier tome, je me dis qui côté lié. Je me dis qui côté lié et qui mission qui ça fait. Est-ce que vous me comparez ou dans le même sens avec Moïse, avec Élie, avec Maroné, avec Jésus tout? Non, même fait que ce tout à l'heure là, je fais que ce tout. Et n'a pas mouru même, j'ai ok, bon, je me suis expliqué là, je me suis expliqué, et binôme, non, qui c'est et Jésus, en fait, c'est Moïse, Jésus et Elijah, ouais, qui est Élisée, Elia, ok, maintenant c'est Jean, Jésus, moi-même, et puis n'a pas vu ensemble.
Est-ce que ça me là? Donc, c'est deux. Dans la Bible, il y aurait Léo et. Quoi, c'est, il y aurait Léo deux ouins. Ouais, qui captent Seigneur. C'est deux mondes qui viennent pour venir accomplir une mission. Ok? Avant ou après Seigneur. C'est ça fait. N'a mouri même gens. N'a mouri même gens. Comment Moïse est mouri? Attendez, comment Moïse est mouri? Moïse va un monde qui connaît Moïse. Attendez, bon Dieu dit, mon témoin n'a mouri, va un yon col. Comment Jean mouri? Comment Elijah mouri? Ça ou Elia? Monsieur mouté. Donc Moïse mouté tout. Ok? Maintenant, comment Jean mouri? Il a coupé tête lui. Ça fait prophète qui va venir là, il va l'assassiner, monsieur tout. Comment? Bon, supposé fait même gens. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur là? Mais il va l'assassiner, monsieur mouri tout comme ça. C'est ça fait une station passée, me dit, je connais nous pour assassiner mais moment pour corriger. OK. Parce que mon mission, je suis appelé à la. Mais le moment n'est pas encore est venu, arrivé. Non, justement. Okay. Mon mission pour Haïti et je suis appelé à la plus haute magistrature d'Haïti. C'est où pour le président? Justement, dans le cadre divin des choses là. Il faut faire une clarité sur ça. Ça me dit pas aucun rapport à l'élection. Pas aucun rapport à l'élection sans choix. Dans la théocratie. Vous avez fait politicien. Non, cher. Attendez. Dans la théocratie, c'est bon Dieu qui fait choix. C'est bon Dieu qui fait choix, roi et prêtre. Pour qui ça? Parce que là, c'est le peuple qui choisit ou qui a tendance à acquiescer à désir peuple là. Ça veut dire peuple là maintenant, homosexualité. Ouais, Samdoula. Donc, ou prêt pour accepter ça pour un vote. Tandis que, là, c'est bon Dieu qui choisit, ça, c'est une abomination. Donc on va bien accepter ton bagage comme ça. Donc ça fait dans cadre divin des choses là. Donc c'est royaux, c'est monde qui a passé dans la prison des États-Unis, c'est choisi, on va quoi passer dans l'élection. Sinon, bon Dieu d'abri dans bon monde, bon rentrer dans parti politique déjà. Et m'bagain l'autre ça. Ouais, m'bagain l'autre ça. Et ça dit même de c'est de leader qui était toujours tout ces bon Dieu que vous et puis pas même Kazek, pas même écoute, chef section dans pays. Écoute, Guillaume, je suis la preuve de ce que j'avance. Sont des qui font expérience insolite jusqu'à présent incompréhensible aux yeux de l'humanité, ok? Et me dit non dans la Bible, je peux décrypter. Donc on ne va pas comparer à un leader politique qui vient dire que c'est bon Dieu qui choisit que le président. Moi je me dis ok. Nous dans prison aux États-Unis, vous dites toute famille depuis deux mois me lague. Je dis me lague. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le président pays d'Haïti. La Bible dit le président. Tout comme une mission pour construire un temple dans Ézéchiel 40. Je suis venu ici, je suis un architecte, je me dis que je suis un top pour construire un pays d'Haïti. Je me suis pensé que je suis fou. Ouais, mais c'est même architecte qui a dessiné top moins, en fait, qui a dessiné les maisons habitables moins. Donc, et l'homme fait un port d'initiative divine ça, pour construire un temple, je me suis pensé que je suis fou. Okay? Donc, mais après ça, je suis un temple en endormi. Je suis fini de dessiner un temple déjà. Temple là, temps de construction. Temple ça, d'ailleurs, son chiffre pour Israël. Parce que Israël actuellement tellement te connu sa sacré n'a prié dans le clôture temple, tandis que vrai temple, le temple complet pour le construire dans le pays d'Haïti. Et le film dessiné déjà. Ok. Ah, yeah. Moi, dans le deuxième tome livre, où utilisé en pile théorème, en pile formule mathématique, en pile comparaison, en pile interprétation, par exemple, l'on prend AV, l'on prend Baoudi, en pile mathématique. Bon. De manière profane, dire les mathématiques ça dans prison, mathématiques divines, parce que je ne sais même pas que le combat est comme ça qui existe. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le premier qu'on fait sur la terre. Lorsque je suis sorti dans prison, je réalisé son mathématique qui existait déjà, mais sauf que l'autorité de décrypter les prophéties bibliques pour quand il vient dans le millénaire, ça, et moi-même, c'est moi qui est destiné pour faire ça. Ouais, à toute modestie. C'est parce que je ne faut pas que c'est moi qui a découvert ça. Parce que lorsque je suis dans prison aux États-Unis, je ne plus non même que créons d'ailleurs pas aucune autre activité en tant qu'intellectuel haïtien, ça me fait c'est lire. C'est à faire lire la Bible parce que 50 fois. Ouais, donc, je ne plus non même réaliser, je ne fais pas de bagaille qui a conduit à des résultats. Ouais, donc, je ne pas comprendre. Et plus tard, je vais faire décrypter. Décrypter Haïti et nom, parce que nom, bon Dieu dit et de manière cryptique, l'icodil par Yahvé est notre justice salvatrice, Yahvé est notre justice salvatrice, icodil, non l'autre mot critique, non l'autre mot critique qui se branche. Décrypter tous deux dans tome 2 là. Il me dit qui est Simier. Ma vie me dit qui est Simier, puis il me dit ça non. Donc si on est goût de mon théologie, il n'y a pas aucun problème. Viens à la Bible, viens nous discuter. Ma aucun problème, à part, même décrit deux livres. Premier livre là, c'est Haïti, Lumière des Nations. Je dis pour qui c'est Haïti, Lumière des Nations. Je dis pour qui c'est Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Deuxième livre là, Mourilé, Haïti, Lumière des Nations, qui c'est titre ouvrage là, mais comme tome, comme sous-titre en tome 2A, Evans Brian, qui est-il? Je dis qui mission, qui ça va l'accomplir pour le pays d'Haïti et en faveur et contre l'humanité. Et comment vous avez fait transition entre institutions policières là et puis avec renaissance spirituelle là?
comment arriver jumeler deux aspects ça. Donc détacher yon, bon, disons, ou l'autre disons et transition son transition facile parce que l'institution policière il y a quelques ont certaines disciplines qui permettent au mieux gérer votre spiritualité. Well, donc c'est ton passage obligé et c'est ton passage prophétique parce que si maintenant pour ça américain pas tap ka joine moi pour l'accuser faussement donc pour arrêter me mal en prison aux États-Unis. Donc autrement dit c'est ça me fait faire un tout progrès scientifique pas qu'à dévier destiné au monde. Autrement dit si m'avancer à cette question ça donc c'est dire que tout poste que m'te joine tout transfert que m'te l'objet yo donc et c'est des bagailles qui t'a conduit à un point déterminé pour y arrêter pour mal renaître dans prison aux États-Unis. La renaissance spirituelle c'est quoi? La renaissance spirituelle. La renaissance spirituelle, pas oublier, on est humain, on dit son ordinateur. Ordinateur a un écran qui c'est mental. Troisième tome, on peut traiter ça. Troisième tome, parce que deux livres, ça y est, recadrer ce qu'on appelle la sagesse théologique contemporaine. On peut montrer des spectateurs. Deux livres, ça. Ça, c'est tome 2A. OK? Et ça, c'est tome 1. Ça, c'est tome 1. Donc, deux livres, ça y est. Il y a une permission d'abord de recadrer la sagesse théologique contemporaine. C'est-à-dire, on dit Haïti lumière des nations, on dit Haïti la capitale politique et spirituelle du monde. On recadre la sagesse théologique contemporaine. Troisième tome, on va recadrer la sagesse psychologique. Parce que il parler de mental. Le mental, c'est une composante humaine qui permet, bon Dieu, de faire contact à l'homme. Mental. Autrement dit, les bon Dieu besoin de faire des c'est dans le mental où il écrit. Et pourtant, la science considère le mental comme l'ensemble des sentiments, voilà. Donc, etc. Mais, nous allons recadrer la pensée scientifique, ça. Parce que Haïti a pour mission de recadrer la pensée scientifique européenne, sinon athée, des Européens. Well, donc, pour répondre à la question, c'est que... rappelez-moi encore, parce que vous ne me font pas quelque chose. Oui, transition de institution policière là, et puis avec renaissance spirituelle. Oui, renaissance spirituelle là, c'est un carrefour. Mm-hmm. C'est un carrefour côté baptisé d'esprit et de feu. Baptisé d'esprit et de feu, côté non mon soumettre en questionnement, ou bien sinon en interrogatoire, de la part d'un esprit pénétré, qui pénétré au monde, qui vient poser des questions sur la Bible. Maintenant, baptême de feu, là, c'est le principal qui va faire renaître là. Renaissance là, c'est un carrefour côté arrivé. Tout ça qui a une importance pour vous dans le passé n'a pas d'importance encore. C'est ça fait monde qui a qui pense au fou. C'est ça fait monde qui est doux, qui va le payer, qui pense au fou. Qui pense que c'est pas peu ou pas chef encore, pas qu'à faire au payer, et pourtant trop payer grandement. Au contraire, les gens, ce sont les principaux personnages de notre test secondaire. Pas oublier, dans la vie d'un ange sous la terre, dans la vie d'un ange, il y a trois phases, nous autres là. Il y a une phase de rébellion, une phase de renaissance spirituelle ou de consécration à la vérité. Parce que consécration à la vérité, c'est renaissance spirituelle à tout. Consécration à la vérité, à son côté, la Bible dit que la guerre en prison ou la guerre vraie. Donc tu es consacré à la vérité. Mais si tu es consacré à la vérité, donc tout ce qui est dit après dans la Bible, donc ça s'accomplira aussi. Est-ce que tu comprends? Donc, pourquoi m'zou, la Bible dit que je vais diriger le pays d'Haïti, je suis appelé et je vais diriger le pays d'Haïti. Pas un monde qui va empêcher ça sur la terre. Tout à l'heure, tu as parlé de recadrage. Ben, maintenant, de recadrer tout. Et la parole rapportée par Luc à propos des devoirs, qu'on traite dans le livre 1. La parole rapportée par l'apôtre Jean à propos des devoirs. Enfin, et chita sous deux aspects, ça, vous regardez. Disons, et on devrait faire un parallèle. Entre parce que la sagesse théologique contemporaine a tendance pour apôtre Paul, pas apôtre Paul, donc messager Paul, parce que moi j'ai un sens. Jésus vient sur la terre, choisit 12 apôtres, il n'a pas choisi apôtre Paul. D'ailleurs, dans le moment, apôtre Paul, c'est ton persécuteur. Autrement dit, apôtre Paul n'est pas meilleur messager pour l'église à suivre. Parce que apôtre Paul, c'est ton persécuteur. Donc, l'homme vient reconnaître qui est-ce, il vient de zèle. D'ailleurs, apôtre Paul n'est pas qu'un apocalypse. Donc, nous, quand on regarde ça, la Bible, je dis, nous sommes supposés comprendre, bon Dieu, mieux qu'apôtre Paul. Mais le fait que apôtre Jean, c'est meilleur apôtre pour, disons, d'a dit, nouvel évangile qui parle, qui m'a prêché là, ou même pas prêché là, qui m'a dit. Well, donc, l'église, plus, comme l'église, comme trône religieux, luciférien, lui caché de un spiritualisme de façade. Donc, nous avons plus point apôtre Paul pour justifier, disons, différents dogmes yo gain pour établir religion. Yo. Mais vrai apôtre pour nous suivre, c'est apôtre
Jean. D'ailleurs, c'est apôtre Jean qui recevra l'Apocalypse. Et apôtre Jean qui pour tourner sur la terre. Encore, on a par exemple, on a eu un miracle qui va le faire côté Jésus a venu lever l'église. Vous d'accord avec moi? Et pourtant, Jésus qui pour venir tourner sur la terre. Tant que moi, même à où? Avant. Tant que moi, même à où? Il dit dans l'Apocalypse 11. L'Apocalypse 10. Et pour mes interprétations, ça. Et pour mes interprétations, je suis appelé. Mais dis-nous ça. Écoute. Je suis appelé à décrypter les prophéties bibliques. Haïti lumière des nations, ça veut dire. Haïti lumière des nations, Haïti révèle le passé, le présent et le futur de l'humanité. Donc révèle le passé de l'humanité, c'est dit qui ça États-Unis y est, c'est dit qui ça la France y est, c'est dit qui ça Angleterre y est. Le présent de l'humanité, c'est dit qui world ça pour qui ça États-Unis a vu qu'on y a disons là sinon la France l'autre pays yo. Et futur de l'humanité qui world Haïti gagne la race noire gagne Haïti dans sac par l'établi Haïti c'est lumière des nations capitales politiques et spirituelles du monde. Donc c'est ça que lumière. Donc me charger pour me décrypter les prophéties bibliques. Donc pas un monde, pas un problème. Est-ce que l'elle tourne avant de venir lever l'église et chrétien beaucoup. Non, pas lever l'église, ils vont pas dire ça. Non, attendez, l'église, comment faire lever l'église? L'église, ça l'église, ils ont building, ça ne peut pas comprendre. Vous comprenez donc lever l'église. On va bien que Bible en pile. Non, attendez. Parabole. Parabole, ça c'est Paul qui dit. Et ça me dit, c'est Paul, oui. C'est Paul qui parle, c'est Paul qui dit. Mais est-ce que parole, ça. Attendez, soit suivre Paul ou bien suivre Jésus. C'est ça fait un apôtre. Jean, c'est Jésus par la bouche, lui. Qui dit non, Jésus, qui dit, j'ai été consacré à la vérité, je vous demande, Père, de consacrer aussi mes disciples à la vérité. Oui, c'est quoi la consécration à la vérité? Depuis l'apôtre l'a parlé, c'est bon Dieu qui parle. Depuis les combats, c'est inspiration divine. Écoute, et ça me connaît, je suis choisi comme un prophète. Ok? Même son humain, mon résiduel d'humanité dans moi-même. Pas oublier, attendez bien, ça me va dire, pas oublier. On est humain, son véhicule. Autrement dit, mon humanité est un véhicule. Ça m'a regardé là, c'est un véhicule. Mais la substance de Guillaume, c'est son âme. L'âme là, il est influencé par deux esprits, l'esprit du bien et l'esprit du mal. Ça veut dire toute sorte dit dans vous ou dit sous influence Esprit Saint. Esprit Saint pas habité personne qui peut quoi épurer. Mais Satan habite au 24 sur 24. D'ailleurs, il n'a pas besoin de rien parce que c'est mal la forfait. Vous d'accord même? Mais Esprit Saint pas habité personne qui peut quoi consacrer à la vérité. J'ai été consacré à la vérité, je vous demande, Père, de consacrer aussi mes disciples à la vérité. On va bien dire ça parce que Paul va comprendre. D'ailleurs, je suis plus grand que Paul. Mais même si Paul, Paul vient poursuivre. C'est parce que moi, je suis plus grand, Marcel. Oui, moi, ça va. Ah, mais voilà. Même quand Jésus dit que mon capitaine après capitaine, c'est mon qui est venu déjà. Même dit ça. Mais les paroles, je dis, fais accompli, cher ami. Je suis plus grand que Paul. De savoir ce que je viens après Paul qui fait Paul plus grand, c'est moi. Ok. On est d'accord avec moi. Ok. Voilà. On avance à débat, Evans Brian et. Nous allons faire une réflexion sur le chiffre 666. Ok. Ouais, religion, n'est pas adepte de, en fait, de la religion. Date ça, par contre, elle fait un pile débat dans l'église. Qui sont les éléments de date ça? 666. Bon, c'est. Il y a un qui dit c'est jab de pour être jab. Non, mais son manque de c'est connaissance. C'est la papauté. Ok. Il y a un qui dit par contre, non, Apocalypse 13. Vicarius. Non, c'est. T'as un manque de décrypter, c'est manque de décrypter dans tome 1. Attendez. Non, Apocalypse 13, verset 18, il a dit que numéro, ça c'est numéro en bête, mais c'est numéro en homme aussi, son monde, son être humain. Maintenant, Bible français, c'est numéro, c'est le nombre d'hommes. Ouais, c'est même bagage, c'est le numéro d'un être humain, mais tombe, dans Bible français, dans Bible française, il mettait c'est un nombre d'hommes. Qui sont comprennent dans sa forme? En rien. Ça dit nombre d'hommes, pas aucune signification prophétique. Vous d'accord même? Maintenant, 666 qui s'allie. Nous toutes sur la terre, c'est 666. 3 fois 6, bon, c'est ça fait au métier dans l'Apocalypse 13, verset 18. 18, 3 fois 6, bon 18. Vous d'accord même? Donc 1 plus 8, bon 9. Tout le monde sur la terre créé son chiffre 9. Parce que nous sommes créés, nous sommes engendrés, suscités dans l'imperfection. Maintenant, notre connexion à l'arbre de vie qui est 12, ok, pour elle faire nous atteindre la pureté ou la sainteté de notre substance. Vous d'accord même? Maintenant, 666. Nous sommes dans la 6e dimension là. Cinquième dimension. Dans les métaphysiciens, par exemple, de quatrième, cinquième, sixième. Non, la pas pureté. Attendez. Le nirvana. Non, c'est pas que banayo. Sauf que m'ba utiliser ça m'a dit. M'ba appuyer ça m'a dit. Ça m'a dit yo. Pas aucune élucubration scientifique. Parce que la science s'attelle présentement à démentir Dieu. Donc, servir d'une quelconque connaissance scientifique pour étayer
un verset biblique serait, je dirais, et impropre. Donc, on va faire ça. Well, donc, cinquième, sixième dimension, on connaît, nous, ou devant dans la, où c'était un ange qui était en position céleste primitive pour ou contre mon Dieu, et à quoi faire sous la terre prouver qui est souillé. Parce que le vrai service à Dieu, ce n'est pas une Bible dans mon, ou bien sinon rentrer, ou bien qu'on est un islamiste, ou bien un hindouiste, mais et, le vrai service à Dieu, c'est sorti, sans fait. Parce que quand on a chambre là, ou fait ou dit, c'est sorti, sans fait. Ça fait dire, parfait, le monde ne pas t'arrêter au fort. Dès qu'on a respecté le principe, ça, on a servi mon Dieu. Eh bien, Evans Brian, est-ce que cette date 24 juillet 2004 là, qui fait Evans Brian sali là, je dis, hein? Un prophète, un défenseur de Dieu, on est de la lumière. Non, 24 juillet, rappelez pour téléspectateurs, exact. Parce que dès là, c'est ma bonne livre, mais on colle des mots. 24 juillet 2004, disons, nous avons 60 jours en prison aux États-Unis. Je fais un rêve côté moi là un gros nègre noir qui a passé qui pas aucun obstacle devant qui a franchi tout obstacle disons panneau de cloisonnement yo et puis qui rentre dans cellule moi un nègre noir mais qui bon voit Jésus l'aime de Jésus ça veut dire dans plus ancien film yo qu'on passé durant fête de Pâques là ancien moun ça bon voit moun ça il dit mi en prison bon déjà me laguer parce que ça m'a fait là mais moi même le fait que pas bien nous sommes dans phase de rébellion donc on bat contre qui est au public là pour qu'ils soient dans la prison aux États-Unis. Bon, dans la prison aux États-Unis. Mm-hmm. C'est pas, elle nous expliquait déjà, nous expliquait. Oui, non, alors qu'on est l'histoire. Oui, non. Il faut tout rappeler. Écoute, faire écoute. Nous dans la prison aux États-Unis, c'est parce que, je m'a dit ça rapidement parce que c'est pas, c'est, ça pas important. Nous dans la prison aux États-Unis parce que, nous avons commis ces responsables BLDS. Donc, dans le cadre de transition politique haïtianiste, côté, il a arrêté toute majorité commissaire Tessou Aristide, il a arrêté. Mais moi, il a accusé, ok, parce que il a dit que nous avons facilité, pas comme doit dire le. J'étais le chef. OK? Et je me quittais, mais écrit ça dans le livre là, me quittais BLDS à 270 kg de cocaïne testé positif. Que me kembe, me quittais. Maintenant, yo t'a arrêté, yo arrêté, yo dit me te kon facilité drogue dealer non activité yo. Mais aux États-Unis, yo pa ka jeune on drogue dealer qui vient tester, vient dire oui, pour y te kon faire ça. Oui, moi, vous faites. Mais cet aspect, faut rappeler que même aspect, mon état perquisitionné américain dit et autres et reconnaître que battre la question, justement, le trafic. Mais non, mais le fait que me laguer traduit que me battre là-dedans, c'est que je blanchis. La justice américaine m'a blanchi. Elle serait sans doute là, donc je ne vais pas me justifier ça. Je ne vais pas me justifier devant personne encore. Parce que je vais juger et je vais juger devant ici, c'est un gars qui dit j'ai volé, non? Je vais juger devant un blanchi vêt, ou d'accord avec 10 et même jury, j'ai vêt. Qui prend décision, voyez dans le pays. Mais ça, c'est aspirationnel, question. Je vais descendre. Écoute, je vais descendre la libération dans ce niveau théâtre. Je suis destiné pour me laguer. Et au bon prison, au bon poison, cette fois dans la prison aux États-Unis. Donc, même si je suis innocent, donc Américain tape tout. Ouais, ça me donne. Donc, le fait que je décide de goûter avec eux, donc, c'est une arrogance. Parce que le monde entier, tout le président mettait tête à tête devant Américain pour dire, sans avocat, décide de battre avec eux, au gain. Donc, ça, c'est dimension rationnelle. Mais nous, on va pas descendre dans le niveau ça. De toute façon, pour nous rappeler, tout ce qu'on a dit là, il y a besoin de dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, qui est Evans, qui est-il? M'expliquer tout ça passé dans la prison aux États-Unis. Poison, tout bagaille net. Mission qui ça m'a fait pour le pays d'Haïti, qui ça m'a fait dans l'humanité. Ça m'a fait en faveur. Et 20 janvier 2006 à aujourd'hui. 20 janvier 2006 à aujourd'hui. Ça rappelle. Ok. 20 janvier 2006 à aujourd'hui, c'est Samuel, dans la troisième étape dans la vie ange, qui c'est la soumission illuminée. Ça veut dire son moment. Côté ça qui est important pour vous dans son humanité, pas la même importance dans votre divinité. Donc, autrement dit, nous sommes un homme humain, mais nous sommes un homme divin. Et soumission illuminée, donc c'est un côté, nous soumettre à bon Dieu, même la lumière. Well, donc le fait que nous avons la lumière sur ce qui peut arriver, Satan, chaque jour, a mis un obstacle devant pour nous arriver. Premier obstacle limité, c'est. Excusez, premier obstacle limité, c'est moun qui te doit un cob, que l'homme vini a fait pas bon, malement de cob là, il dit me toucher, j'en veux. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas là, je dis que je ne suis pas là. Il y a des gens qui ont fait tout ça au capable pour te camper, bon, pour que la caméra soit avec l'MT chef BLTS. Je dis à qui dans le Jeep officiel, okay, qui vire tête qui peut parler. Donc, c'est une soumission illuminée. Mais là-bas, ça arrive, qui sont fait ou rient. Ou très bien, ça a des gras. Bon, et, disons que tu as des gras dans le livre. Je me rappelle fait de façon à ce que mes frères et sœurs, okay, de toute communauté humaine, pas oublier le livre qui a une dimension
humaine. Donc ce n'est pas un livre écrit pour haïtiens. Parce que les fils de Dieu partout dans le monde là. Well, c'est pour frères Axum qui a lu le livre ça, disons 25 ans, 30, 40, 50 ans après, et que yo vive expérience son frère qui est passé dans le monde ça, mais ça qui est passé. Simplement pour ça, moi, je moi, plus loin que vous présentez comme l'un des incarnés soumis, ou dire chassé en tête de liste dans le royaume humano-terrestre de Yahvé, c'est son écrit. Moi, j'ai plusieurs dimensions dans le livre là. Bon côté, moi, c'est juge. Ou c'est prophète ou intercesseur ou politicien. Okay. Ou son mythe ma compagnie. Ok, Mgabli, je vais vous poser trois questions. Oui, c'est ça. Première question, vous dites que je dis mon tête de liste dans le royaume humano-terrestre là. C'est ça. Justement. Pourquoi ça mon tête de liste? Parce que mission tellement grand, mission notifiée dans la Bible. Et c'est pas moi qui fais en tête de liste. Yo, bon Dieu commence à parler de moi-même depuis dans mon Sinaï. L'élève dit Moïse, je vais voir un prophète tant que c'est ça fait le surnommé Moïse. Depuis petit, je ne comprends plus, je m'appelle Moïse. Le surnommé Moïse. Et, il y a une expérience qui m'explique dans ce qui a justifié le tout. Nous avons un mystique qui est de Cassis, côté de notre matériel. Nous allons rentrer dans ça parce que tellement de choses pour nous parler. Ou côté de recevoir un bâton, et bâton ça, c'est comme pouvoir pour me soumettre les esprits sataniques. Et bâton ça, bon, je dis non, Esaïe 45, côté m'amour, pas de même qu'on aime. Et effectivement, je ne connais pas parce que c'est le diable qui a servi. Et prison, non, c'est quoi la rupture à bagay za yo. Est-ce que ça me dit là? Maintenant, je suis prophète, je suis intercesseur. Intercesseur, c'est parce que. Je suis politicien, oui. Oui, non, politicien, je vais t'expliquer. Je suis destiné à la plus haute magistrature de ce pays, je m'explique déjà. Mais intercesseur et juge. D'accord, même juge, non, pourquoi ça me juge? Pas bien, c'est Moïse qui te baille 10 commandements sous mon Sinaï. Fait que ça, que de petit, bon, il m'a écrit Moïse, donc bon, je suis nommé Moïse. Comme c'est Moïse qui te baille la loi, et bien, c'est Moïse qui vient accomplir, qui vient constater application ou inapplication de la loi. Maintenant, constatant l'inapplication de la loi sur toute surface de la terre, je suis appelé à demander à Dieu de condamner ce monde. Pas oublier, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. D'accord même? Si Dieu est le juge, qui est le commissaire gouvernement, et 12 membres jurés ont choisi déjà, il dit 12 apôtres ou 12 trônes, il va dire 12 membres jurés, non? C'est ça fait la Bible, faut comprendre. Il va dire 12 membres jurés, non? Mais dans le tribunal là, 12 apôtres choisis comme 12 membres jury pour juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant, qui est le commissaire gouvernement? Il dit commissaire gouvernement, mais nous ne comprenons pas. Il dit, Naptan Moïse, et pourtant c'est Moïse qui va juger nous. Vous d'accord même? Donc il dit, parce que nous devons présenter le dossier la terre. Parce que si par exemple, vous avez un théologien, vous avez dit, monsieur, mon cher, dans le tribunal, viens commissaire gouvernement. Monsieur, vous avez dit, États-Unis, et puis moral, rien sur la terre. Et pourtant, la Bible dit États-Unis et puis corrompu bien sous la terre. C'est ça fait la grande prostituée. Maintenant, pour nous donner la question. On va répondre à une question 666 là. Et pas au pire bon la planète là. On va répondre à une question 666 là. Non, continue. Et pourtant, la question 666 là, il y a États-Unis là-dedans. Parce que tellement posé mon paquet de questions que je demande chaque son livre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vais pas répondre toutes. Ok, qui sont-ils là? On dit, mais États-Unis, c'est le plus corrompu. La Bible dit. La Bible est États-Unis, la grande prostituée. La grande prostituée. Mais ça fait. Dont le fond est gravé. Ça fait américain aussi ou qu'a foncé de gagner. Non, parce que cette réalité. Aidez-moi à comprendre ce que c'est. Et puis devant, majorité pays dans le monde, c'est la caille au balai. Je vais te dire, mon cher. La caille la plus grande prostituée. Laisse-moi t'expliquer, je suis appelé à décrypter les prophéties bibliques. Très court, parce que comment ça fait. Justement, question longue, très court. États-Unis, c'est la femme du prince Belzébuth. Tandis que Haïti est la femme de Jésus. C'est ça fait États-Unis tomber. C'est le dernier royaume dans le cadre de Rey et Luciférien. Je dis royaume, je dis empire. C'est bien différent, mais on pas jouer. Haïti pour aller monter. Ça faut race noire à bouger. D'accord, avant, nous créons une institution financière qui est le BRICS, côté où on va concurrencer l'institution de colonisation financière du monde, qui c'est FMI. D'accord, avant. Maintenant, on dit la réalité des États-Unis comme une grande puissance politique, hein, disons, et que sa grande capacité financière, ouais, donc qui traduit gloire cette réalité prophétique, cher ami. La Bible dit États-Unis est arrivé dans le niveau ça, tout comme, donc il proclame la chute des États-Unis va gagner, quelqu'un va tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la Bible dit, tout comme Haïti, la Bible dit n'a pas dernier pour nous venir premier. Donc pas un monde qui a fait un premier et pour nous dessiner pour nous dernier. Est-ce que vous comprenez? Donc nous dernier pour nous venir premier. Et dans le règne divin des choses là, moi c'est le premier président qui a pris là-dedans. Parce que de 17 octobre, je vais toujours prendre date. Pourquoi j'ai un monde qui m'a demandé pour que ça se date ça me pas. De 17 octobre 1806 à nos jours, tout président pays d'Haïti passait dans le cadre règne luciférien des choses.
Et c'est ça fait Haïti, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble parce que nous tous besoin président. Non, là, il s'attend tout ange besoin président. Donc, son goût, mais tandis que dans la théocratie, bon, tu choisis avec tout le monde qui est parce que les joueurs sur la tête, ils ont choisi dans ciel là déjà. Bon, et vous pouvez comprendre un débat très intéressant et très brillant. Mais pas bien de temps pour nous développer tout aspect dans le livre. Là. Oui. Par exemple, les élus versus les non-élus. Qui est-ce qui a élu? Qui est-ce qui n'a pas élu? Dans le royaume divin ou bien le royaume lucifer? Non, justement. Ok, son thématique qui me traite dans le livre là, qui permet ou même. Et les spectateurs qui captent des mieux là ou bien qui écoutent comprendre qui est si vous êtes. Ou pas venir élu sur la terre. Vous savez bien? Sinon, ou passez une étape pour venir élu. Ou est-ce que vous passez une étape pour venir élu? Mais comme tout ça que tu es supposé faire a fait, donc ou t'es tout élu. C'est ça fait non nous avons écrit avant la fondation de la terre. D'accord avec moi? Donc si non nous avons écrit, d'accord. Pourquoi ça nous écrit d'abord? C'est parce que l'autre esprit ou de composition, c'est l'esprit primitif pour ou contre mon Dieu. Donc tout ange qui était pour yo, tout ange qui était pour mon Dieu, pas de Satan, nous avons considéré comme des soumis. Mais qui ça bon Dieu constaté? Il constaté, même les anges dans tes soumis dans le ciel, ils viennent sur la terre, ils viennent rebelles. C'est ça fait venir une ville en sacrifice pour nous sur la terre pour nous sauver. Mais ils viennent en sacrifice pour deux bagailles. Premièrement, pour engendrer par la salvation. Deuxièmement, pour engendrer par la justice salvatrice. Nous avons expliqué que la justice salvatrice, nous sommes crible des prêtres et des rois dans le royaume humano-terrestre, dans le divin royaume humano-terrestre. Okay. Yeah. Eh bien, une question pertinente. Est-ce que ça va dire là, ou pas quoi mon gars dit son faux prophète qui a parlé là tout? Je suis la preuve de ce que j'avance, cher ami. Je suis la preuve de ce que j'avance. Parce que même Jésus était considéré comme un faux prophète. Regardez, Moïse. Il n'y a jamais eu. Justement, parce que tu connais Jésus comme un faux prophète. D'ailleurs, l'homme dit de fou, bon phrase toujours dit. Quand on ne partage pas la folie de ce monde, on vous traite de fou. Ça veut dire, cette épithète de fou traduit ma raison et ma sortie spirituelle de ce monde. Donc, si on n'est pas dit. Ça veut dire, on sage dans les yeux les hommes. Sont fous dans les yeux bon Dieu. C'est ça fait, dans Millénésa, bon Dieu a passé la sagesse scientifique en dérision. D'où, premièrement, la sagesse scientifique, deuxièmement, la sagesse théologique. Kim Gemission, troisième livre, on va le traiter. Justement, il y a un dit où sont faux prophètes, il y a un dit, monsieur, son est fou. Yo dit ça. Illuminé, qui a parlé, son. Non, mais attendez. Ou paranoïa, qui n'est pas droit, qui a fait tout schéma, ça, il y a un fou. Yo dit ça déjà. On va me répondre, je suis la preuve de ce que j'avance. Il n'y a jamais eu deux bergers sans histoire. Donc, j'ai une histoire. Et une histoire inouïe. On est, les maps sortis dans la prison des États-Unis, garde la dîme, c'est pourquoi Chan arrive dans l'histoire des États-Unis, que les Américains débarquent et viennent pour le monde dans le pays. Pour la guerre, je me dis, c'est premier, je ne pas dernier. Pour qui ça me sont intercesseurs pour me tourner dans la question là? Justement, c'est parce que je suis premier et je vais vivre mon sacrifice pour tout le monde qui vient dans la prison aux États-Unis. Et ça fait ma blague. Yo. Et l'Oualla, Esaïe 53, bon prophète, il parle, il dit, Mounza, m'explique ça dans tome 1, Mounza pral permet ton paquet de monde sauver. Tout le monde pense que le prophète, ça c'est Jésus. Jésus pas ton prophète. Jésus était Dieu. Donc prophète, pas qu'à Jésus. Jésus pas ton prophète. Jésus était Dieu. C'est moi qu'on prophète. C'est quoi la lumière, Evans Bouillon? Aïe, la lumière, on traite la lumière déjà dans tome 1. Ça dépend de niveau. On traite dans tome 2 pour atteindre différents niveaux d'ange. Différents niveaux esprit incarné, qui c'est vous-même, moi-même, Aziz Jeff, tout le monde qui a entendu là. La lumière, c'est. Premier niveau de la lumière, en fait, dernier niveau de la lumière, c'est la capacité qu'on a pour voir bon Dieu. Ça veut dire que quand je parle avant là, je vais avoir un gros bout de lumière qui va passer devant là, je vais caler devant là, moi, je vais voir. Mais deuxième niveau de lumière, c'est abri de vie, côté connecté avec la lumière. Troisième niveau, on va dire rapide, qui me dit ça dans le tome 2. Deuxième niveau, ils sont émissaires divins qui dépêchaient pour éclairer les pas de ses choisis. Autrement dit, ou font rêve côté yo dit, nous en prison aux États-Unis, m'a blagué. Ouais, m'a blagué vrai. Troisième niveau, on croit la lumière c'est engendrer la sagesse, la vraie sagesse. Autrement dit, l'orgue lumière même dans monde font calotte ou quand pour garder ou ri. Ou ça me dit là, donc pas de surprise. Pas une surprise. Par exemple, on connaît moun bakatouim. Même si côté m'chita la caisse ça chavire tête en bas si on grand monde d'Haïti, en Haïti la brûler brillant event. 7 octobre 2005, les rappelons libération. Là, ça a toujours marqué. 7 octobre 2005, c'est date butoir de ma renaissance spirituelle. Pour qui ça?
7 octobre 2005, c'est jour à 1h50 que 12 membres jury prennent décision dit not guilty, m'lagé pour retourner dans le pays. C'est dans moment ça, me considère j'ai été vraiment consacré à la vérité. Parce que comme la Bible te dit blague mais ça c'est attendez, non c'est un bagage que beaucoup j'entendais théologien parler. Ça veut dire côté monde qui va ou prête à blaguer dans prison aux États-Unis, m'pas entendre monde parler ça sous la terre. Donc nous lancons nos aventures, pourquoi j'aime tant être humain parler de ça. Donc l'aime lancer dans ça, donc me lancer ma toute risque péril. Mm-hmm. Maintenant, comme la Bible dit ma blague et que 7 octobre 2005 à 1h50, ouais 1h50 1 plus 5 bon si c'est la fête, donc me blague vraiment j'ai été consacré à la vérité. Donc j'ai ma donc renaître. Donc c'est date butoir de ma renaissance spirituelle. Qui lève en signature et deuxième livre en fait et deuxième tome livre 1 ouvrage en fait. Qui est retenu. Demain, si je veux, la fête. Non, c'est demain, ce samedi. Demain samedi 31 août, demain, dimanche 1er septembre, la fête de 9h à 6h du soir, à Mr. Grill, restaurant, Wirigo, numéro 39, Pétionville, en face Presse Café. Prix tome 1, c'est 900 goudes, tome 2, c'est 800 goudes. Et ma tour rappelé téléphone rapidement. Téléphone, c'est 3-730-64-56. N'importe qui a regardé l'émission qui peut se faire contact avec Mioka, il est 3-730-64-56. Donc, si j'en tourne rapide, il est pislo. Ok. Mon téléphone, c'est qui ça lié? M'dit, et Ventina, tu as fait demain 31 août et dimanche 1er septembre, de 9h à 6h du soir, à Mr. Grill Restaurant, rue Rigaud, numéro 39, Pétionville, en face Presse Café. Prix tome 1, c'est 900 goudes. Tome 2, c'est 800 goudes. Téléphone, moi, mon petit souffle, c'est 37 30 64 56. 3 730 64 56. Perspective après deuxième tome, ça. Bon, mon troisième tome, qui est dans 124 pages déjà. Et disons, comme on dit, comme sous-titre, tome 2, il y a deux sous-titres. On dit, dans son déraillement, la science confond le mental de l'homme. Dans son déraillement. Et puis, et comme le vrai sous-titre, c'est le matérialisme et le spiritualisme. Donc ça, ouais, parce que livre moi, je besoin m'adresser à la substance de l'homme. Donc ça, ou abgadem là, c'est un jour qu'abgadem, c'est pas où qu'abgadem. À travers ou même ouais, un jour. Donc m'baba dimension superficielle et décorative, m'abgadé là, ni beau, ni led, ou blanc, ni pointu, ou son, ça pas d'importance moi. Je m'abgadé, on m'abgadé namou. Et m'ba juger namou en fonction de sordi et sorfait. Sordi, sorfait. C'est ça qui est important. Le vrai service à Dieu, est-ce qu'on dit et fait? Eh bien, avant que nous finissions, pose une question pertinente. Ou pardonner, parce que quand c'est dans le cartouche, je m'oblige à soulever. Et pendant le passage dans la première et passage dans la carte rouge, il y a plusieurs gens qui ont regardé. Ils disent, Evans Bion, tu connais, tu es dans BLTSA, c'est un mec qui est dur, comme le fer. Ils disent, depuis bon Dieu, mais c'est un vin doux, un sage, un gentil. Ils ont estimé qu'en pile là-dedans, tu es un gentil hautain. Je ne sais pas qui répond à ce qu'il y a de ça. Non, nous ne sommes pas dur. Ils ont changé net. Ils ont son mec qui soigne net, pas qu'on est. Écoute, on va avoir une petite bon Dieu parce qu'on passe en épreuve. Une petite bon Dieu, déjà, on dit que c'est toujours une certaine humanité. D'accord? Donc, on va dire vraiment autant, j'en ai dit. Ok? Mais, on va monter dans notre dimension pour m'expliquer ça. L'homme vient constater la fatuité de l'œuvre humaine. Autrement dit, on vient reconnaître que tout soit fait dans la vie. Côté fait, l'autre est rebelle, pas aucune importance, il va servir rien au moment de la renaissance spirituelle. Autrement dit, si nous avons travaillé pour nous avoir des machines, pour nous avoir des richesses, et pour nous avoir des autorités, pour nous avoir des autorités, et puis nous vivons aux États-Unis, d'ailleurs, nous allons rapidement là, la richesse est inutile dans la restauration spirituelle. De la consécration à la vérité. Parce que si richesse. Si richesse. Oui, non, il peut faire ça. L'autre est dans BLTS, on va dire l'autre. Non, justement. On est commandant. On est en phase. On est en phase rébellion. On est en phase. On est en phase. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas dimension. Ça ne peut parler comme ça. Est-ce qu'on va dire une phase rébellion? Mais qu'on a une dimension pour me comprendre la vie, pour me comprendre que la fatuité de tout ça me fait, et puis passer vivement dans la prison aux États-Unis. Donc, l'argent pas mettre dehors dans la prison aux États-Unis, d'où ça a une bague d'importance. Nous sommes en train d'anesthésie par rapport à l'argent. Donc, l'argent pas fait me faire pécher. Donc, je n'ai pas le droit au péché encore. Je ne vais pas faire pécher, non? Parce que toujours un résiduel d'humanité en moi-même, malgré que ma divinité, ouais, donc, prend le dessus. D'accord, même nous avons toujours été humains. Donc, le fait que nous avons toujours été humains, si on est piqué, la fait mal,
donc on a un résiduel d'humanité. Donc on ne dit pas faire péché, mais on ne doit pas péché. On va suivre quand rouge, on a observé, première pause nous dans l'émission ça, on va tourner tout de suite.